Salut à tous, je suis Avril 2003. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tutoriel Brutality Mortal Kombat 1. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un deuxième personnage jouable. On va se pencher sur le ninja qui ne craint pas le froid, connu sous le nom de Bi-Han dans cette timeline. Je parle bien sûr de Sub-Zero. Et pour ce tuto Brutality Sub-Zero jouable, nous aurons 6 Brutality à apprendre. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Alors, le grand maître Lin Kuei Sub-Zero va nous apprendre pour le premier Brutality, le classique. En anglais, The Classic. Maintenez triangle ou Y ou X pendant le coup selon sur quoi vous jouez. Le coup fatal doit être porté avec bas et triangle en même temps sur PlayStation, bas et Y en même temps sur Xbox ou bas et X en même temps sur Nintendo Switch. Alors, bas et triangle en même temps, bas et Y en même temps ou bas et X en même temps, l'uppercut. Rien de plus simple. Ce Brutality est partagé avec tous les personnages. Alors, allons-y. Finissez votre adversaire avec l'uppercut tout en maintenant triangle, Y ou X. Et voilà! Brutality. Sub-Zero wins. Flawless victory. Allez, prochain! Alors, le deuxième Brutality du Sub-Zero jouable s'intitule Zéro Absolu. En anglais, Absolute Zero. Appuyez sur ba-ba-ba pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec le coup spécial glissade gelée. Ça doit être le dernier coup porté. Alors, le coup spécial glissade gelée, ce sera arrière-avant-croix sur PlayStation, arrière-avant-A sur Xbox ou arrière-avant-B sur Nintendo Switch. Super simple. Et pendant que vous faites votre glissade gelée, vous allez appuyer 3 fois sur bas. Mais ce qui est amplement conseillé, c'est de spammer bas. Allons-y, finissons notre adversaire avec le coup spécial glissade gelée tout en appuyant 3 fois sur bas. Mais ce qui est amplement conseillé, c'est de spammer le bouton bas. Allons-y. Ouh, ouh, ouh. Brutality. Sub-Zero wins. Flawless victory. J'aime bien. C'est un bon Brutality, vraiment. Allez, prochain Brutality. Alors, le troisième Brutality de Sub-Zero s'intitule Boule de neige. En anglais, Snowball. Le coup fatal doit être porté avec boule de glace. Vous devez être à la distance maximum. Alors, le coup spécial boule de neige, un classique, c'est le coup spécial que plusieurs connaîtront, même les vrais OG de Mortal Kombat connaîtront. C'est bas avant carré sur PlayStation, bas avant X sur Xbox ou bas avant Y sur Nintendo Switch. Super simple. Et comme on peut constater, c'est une attaque qui fait très peu de dégâts. En ce qui concerne ceux qui me demandent qu'est-ce que la distance maximum, la distance maximum, c'est lorsque vous reculez, que vous êtes tous, vous et votre adversaire, être au bout de l'écran et que l'écran ne bouge plus, la caméra ne s'agrandit plus. Ce sera donc ça, une boule de glace à distance maximum. Alors, allons-y. Finissez votre adversaire avec le coup spécial boule de glace à distance maximum. Alors, allons-y. Oh yeah, et... Oh! Brutality. Sub-Zero wins. Flawless victory. Référence au Fatality de Sub-Zero dans Mortal Kombat 2 en 1993. C'est une belle référence. Allez, next. Alors,
Copy Carbon est le nom de notre quatrième brutality pour Sub-Zero. En anglais, Carbon Copy. Maintenez carré X ou Y pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec charge du clone de glace. Alors, le coup spécial charge du clone de glace, ça sera arrière-avant triangle sur PlayStation, arrière-avant Y sur Xbox ou arrière-avant X sur Nintendo Switch. Super simple. Et pendant que vous faites l'attaque de la charge du clone de glace, vous allez maintenir le bouton carré sur PlayStation, X sur Xbox ou Y sur Nintendo Switch. Alors, c'est parti. Finissez votre adversaire avec le coup spécial charge du clone de glace tout en maintenant carré, X ou Y. Ouh! Ouh! Sub-Zero wins. Flawless victory. Vraiment, je sais pas quoi dire. Allez, suivant. Alors, glace pilée est le nom du cinquième brutality de Sub-Zero. En anglais, Crushed Ice. Maintenez le bouton bas pendant le coup. Vous devez éliminer l'adversaire avec un combo complet. Le coup fatal doit être porté avec le combo voile blanc. Alors, le combo voile blanc, ce sera triangle, carré, triangle sur PlayStation, Y, X, Y sur Xbox ou X, Y, X sur Nintendo Switch. Le combo entier devrait donner quelque chose du genre... comme ça. En ce qui concerne d'éliminer l'adversaire avec un combo complet, ça signifie que tous les coups du combo doivent toucher l'adversaire. Sinon, le brutality fonctionnera pas. C'est ça que vous voulez. Alors, allons-y. Finissez votre adversaire avec le combo voile blanc. Assurez-vous que tous les coups du combo touchent l'adversaire et maintenez le bouton bas pendant le combo. Yeah! Oui! Brutality. Sub-Zero wins. Flawless victory. Destruction totale. J'adore. Allez, dernier brutality. Alors, le sixième et dernier brutality de Sub-Zero s'intitule Capacité à geler. En anglais, Ability to Freeze. Maintenez cercle B ou A pendant le coup. Vous devez éliminer l'adversaire avec le coup spécial Vapeur Mortelle. Alors, le coup spécial Vapeur Mortelle, ça sera bas avant cercle sur PlayStation, bas avant B sur Xbox ou bas avant A sur Nintendo Switch. Super simple. Et comme vous pouvez constater, c'est une attaque qui fait vraiment très peu de dégâts. Allons-y. Finissez votre adversaire avec le coup spécial Vapeur Mortelle tout en maintenant cercle B ou A, selon sur quoi vous jouez. Et ce même bouton, c'est également le bouton qui sert à activer l'attaque. Allons-y. Ouh! Ouh! Brutality. Sub-Zero. Ouh! Flawless victory. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Voilà qui conclut ce tuto Brutality Mortal Kombat 1 pour Sub-Zero. Honnêtement, Sub-Zero, il est quand même fun à jouer dans Mortal Kombat 1. C'est quand même un beau perso pour faire des gros combos. Et surtout, j'aime ça le fait que dans l'histoire de Mortal Kombat 1, Sub-Zero et Scorpion sont des frères, mais plus tard, ils deviennent ennemis. Du coup, pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Je vous dis ciao!